J'avais promis. I promised. Après avoir énoncé les principes du brisement. After having taught the principles of brokenness. Que nous aurons à étudier le livre Le brisement du professeur Zacharie Stade Fomon. That we will study the book The Brokenness of Professor Zacharias Tanefomo. Notons ceci. Let's write this. Le salut, salvation, est une œuvre de Dieu. Is a work of God. Soyez très attentifs. Le salut est une œuvre de Dieu. Salvation is a work of God. Il est fondé sur le principe de la grâce. It is founded on the principle of a grace. Et non sur les œuvres. And not on the works. Quand on dit que quelqu'un est sauvé, when we say someone is saved, que Dieu l'a sauvé, that God has saved him, ça veut dire qu'il n'a rien payé. It means he paid nothing. Ça veut dire qu'il a reçu ce salut gratuitement. It means that he received this salvation free of charge. Sans aucun mérite. Without deserving it. Et en vertu de l'amour de Dieu. And because of the love of Jesus. Il y a donc la grâce de Dieu. So there is the grace of God. Et il y a l'amour de Dieu. And there is God's love. Les deux vont ensemble. Both go together. L'amour de Dieu. God's love. A amené Dieu à donner son fils. Led God to give his son. La grâce de Dieu, the grace of God, a amené Dieu à donner le salut aux pécheurs gratuitement. Led God to give salvation to the sinners free of charge. Selon qu'il est écrit, as Dieu a tant aimé le monde qu'il God a donné son fils unique. The world that he gave his only son. Dieu a tant aimé le monde. God so loved the world. Il a donné son fils unique. He gave his only son. Afin que quiconque croit dans lui. So that everyone who believes in him. Ne périsse point. Do not perish. Mais qu'il ait la vie éternelle. But has eternal life. Jean 3, verset 16. John 3, verse 16. Vous notez ceci. Write this. Si le salut est reçu gratuitement. If salvation is given free of charge, la marche avec Dieu, the walk with God, la marche avec Dieu quant à elle, requiert God, une discipline. While salvation is given free of charge, la marche, walking with God required a discipline. Ça, écoutez ça très bien. Listen this carefully. Le salut est reçu gratuitement. Salvation is received free of charge. Jésus est donné aux hommes parce que Dieu aime les hommes. Jesus is given to human beings because God loves human beings. Mais but la marche avec Dieu, the walk with God, demande une discipline de l'homme. A discipline of man. L'homme intérieur. Of the inner man. Il faut jamais confondre ces choses-là. Never confuse those things. La marche avec Dieu, quant à elle, the work of God, meanwhile, requiert une discipline de l'homme intérieur, requires a discipline of the inner being, une discipline sans laquelle, and a discipline without which, il n'y a point de croissance spirituelle. There is no spiritual growth. Sans laquelle, without which, il n'y a point de spiritualité. There is no spirituality. Sans laquelle, without which, il n'y a point de maturation. There is no maturity. Il n'y a point de croissance en maturité. There is no growth in matureness. Il n'y a point de ressemblance avec Jésus. There is no resemblance with Jesus. La puissance spirituelle. Spiritual power. Vient de quoi? Comes from what? Notez ceci. La puissance spirituelle a plusieurs facteurs. Spiritual power has many factors. Je vais citer. I will quote. Il n'y a pas un ordre de valeur. There's no an order of value. La foi. Faith. En Jésus-Christ. In Jesus Christ. Donne la puissance. Gives power. La foi au nom de Jésus-Christ. Faith in the name of Jesus Christ.
donne la puissance. Gives power. La foi au sang de Jésus-Christ. Faith in the blood of Jesus Christ. Donne la puissance. Gives power. La foi. Faith. À la croix de Jésus-Christ. In la the croix. Cross. In the cross of Jesus gives power. Donne la puissance. La parole de Dieu. The word of God. Donne la puissance. Gives power. La sainteté. La sainteté. Holiness. Donne la puissance. Gives power. Les dons spirituels, dont l'onction. Anointment and spiritual gifts give power. Donne la puissance. L'onction, les dons spirituels, donne la puissance. Anointment and spiritual gifts give power. C'est-à-dire les prophètes, les apôtres, les pasteurs, apostles, les évangélistes, evangelists, les docteurs, doctors, la parole de sagesse, the word of wisdom, la parole de connaissance, the word of knowledge, les dons de miracles, the gift of miracles, les dons de guérison, the gift of healing, les dons de délivrance, deliverance, l'enseignement, teaching, toutes ces choses-là, c'est la manifestation de la puissance de Dieu. All those things are the showing of God's power. Le service, the service, la direction, direction, le secours, the rescue, la miséricorde, the mercy, l'interprétation des langues, the interpretation of tongues, les langues elles-mêmes, and the tongues themselves, le don de prophétie. J'ai déjà dit le prophète, j'ai dit maintenant le don de prophétie, the gift of prophecy, la foi, faith, etc. And so on. Sont des manifestations are the showing de la puissance de Dieu. Of the power of God. Quand tu manifestes ces choses, when you show these things, ça ne veut pas dire que tu es très saint. It does not mean that you are very holy. Ou que tu es très spirituel. Or you are very spiritual. C'est que c'est la puissance de Dieu qui se manifeste. It's only that it's the power of God which is showing himself, itself. Dieu donne ces choses comme des dons pour nous permettre de travailler pour lui. God gives those things as gift to allow us to work for him. Ça veut dire qu'en principe, un peuple ne devrait pas manquer ces choses-là. It means that in principle, a people should not miss those things. Dieu les donne même avant que tu ne commences à travailler pour à discipliner ton homme intérieur. God gives them even before you start working to discipline your inner being. Parce qu'on peut les recevoir dès le premier jour de la conversion. Because you can receive them on the first day of your conversion. Mais je veux vous demander d'éviter une erreur. I will ask you to avoid a mistake que les gens commettent. That people are going through. Il y a des gens qui n'ont jamais réussi à expérimenter la manifestation des dons de Dieu, des dons du Saint-Esprit. There are people who have never been able to experience the gifts of God. Donc quand ces gens enseignent, so when those people are teaching, ils banalisent les dons, ils disent ce n'est pas parce qu'on chasse les démons, ce n'est rien. They say it's nothing. Il faut être seulement, il faut prier. You must just pray. Lire la Bible. Read the Bible. Écoutez-moi très bien. Quand je préparais l'enseignement, listen carefully. When I was preparing the teaching, c'est cette vision-là qui était dans mon esprit. It's this vision which were in my mind. Que la vie spirituelle, ce n'est pas chasser les démons, guérir that les gens. Spiritual love is not casting out demons, delivering people. Le Seigneur m'a dit, the Lord told me, ne méprisez pas ces dons-là. Si ce n'était pas important, ils n'allaient pas les donner aux hommes. Don't despise those gifts. If they were not important, he would have not given them to people. On doit trouver d'autres mots pour encourager les gens à lire la Bible, à prier, à jeûner. We must find other words. Sans mépriser ce que lui Dieu a donné pour qu'on voit sa puissance qui se manifeste. We can use other words to encourage people to read the Bible, pray, and we must not despise those things which are the showing of his power that he has given to people to show his power. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Et écoutez ça très bien. Listen it carefully. Le Seigneur m'a demandé, the Lord asked me, que toute l'église de Côte d'Ivoire, that all the church of Côte d'Ivoire, lui offre un jeûne d'action de grâce. Offers him a fasting of thanksgiving. Pour tous ces miracles qui se produisent.
For all those miracles that are happening. Ne banalisons pas le fait que Jésus entre dans une chambre, il opère quelqu'un, il sort et puis on joue avec. Let us not despise the fact that Jesus entered a room, operated someone and heals him, and we are joking with it. Que personne ne pense que c'est notre force. Let no one believe that it's our own strength. Mais que personne, par ignorance ou par jalousie, méprise ces choses-là. And let no one, by ignorance or jealousy, despise. Et le Seigneur aura ce jeûne d'action de grâce. And the Lord will have this fasting of thanksgiving. C'est lui qui agit. He is the one walking. Ce n'est pas nous. It is not que us. Personne parmi nous ne vole la gloire de Dieu. Let no one among us steal the glory of God. Dieu a vu l'importance de ces guérisons là. God et il les opère et nous sommes en joie. The importance of those healings, when he operates people, we are happy. Que personne ne te trompe que ce n'est rien du tout. Let no one deceive you and tell you that it's nothing at all. Je vous dis la vérité. I'm telling you the truth. Le Seigneur aura ce jeûne-là. The Lord will have his fasting. Si nous n'étions pas dans un jeûne pour la nation, j'allais déclarer que ça commence. If demain. We were not already in a fasting for the nation, I would have launched it. Ne soyez pas orgueilleux. Do not be proud. Mais ne méprisons pas les dons de Dieu. Let us not despise the gifts of God. Personnellement, je ne suis pas dans ce piège-là. Personally, I am not in this trick. Avant de venir en mission, before coming on mission, mon premier long jeûne, c'était 7 jours seulement, 7 jours. My first long toute ma carrière spirituelle fasting was 7 days. Mon long, plus long jeûne, 7 jours. In all my spiritual life, my longest fasting was 7 days. Et je chasse les démons depuis les années 82. And I am casting out demons since the years 82. J'ai grandi dedans. I have grown in it. C'est la grâce. Que personne ne vous trompe que c'est it's moi. It's a grace. Let no one deceive you that it's myself. Et puis, si nous sommes sages, and if we are wise, c'est quand nous savons que ça vient de Dieu que la foi doit grandir. It's when we know that it comes from God that our faith can grow. Si ça venait de nous, on peut craindre que ça va finir. If it were from men, we can fear that it will finish. Ayons davantage cette assurance. Let us have more of this insurance. D'autant plus que c'est Dieu qui fait, ce n'est pas nous. Since it's God who is working, not us. Les grands apôtres comme Paul. Great apostles like Paul. Qu'est-ce qu'il disait? What were they saying? Nous portons cette puissance dans des vases de terre. We are bearing this power. Non, nous portons ce trésor dans des vases de terre. We are bearing these treasures in earthly pots. Afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et so non pas à nous. This great power should be given to God and not to us. Épousons cette pensée-là. Let grasp this thought. Nous serons bénis. We'll be blessed. Elle est là. Is there? Elle se manifeste. And it is showing pas up. Des visions, des prophéties, des guérisons, there are vision, des délivrances. Prophecies, healings, deliverances. Les petits enfants qui dirigent les assemblées. And little kids who are leading assemblies. Ils lisent les écritures. They read the Bible. Ils expliquent les écritures. And explain the scriptures. Des petits enfants. Small kids. Des élèves, des étudiants. Student pupils. Le résultat est là. The result is there. Frères. Brothers. Un jour. A day, il n'y aura pas de stade pour nous contenir. They will not have a hole to keep us. Ça va s'accomplir. That will come to life. Si tu es tenté, if you are tempted, resist. Tu seras béni. You will be healed. Le Seigneur m'a dit, ne méprisez pas la puissance de Dieu qui se manifeste sous prétexte que ce n'est pas ça qui fait l'homme. Non. Dieu n'a pas envoyé ça pour faire l'homme. Il l'a envoyé pour aider les pauvres. Quand tu es malade, tu n'as pas l'argent et Jésus vient t'opérer. La joie que tu éprouves là, ça coûte combien au supermarché? The Lord told me, let us not, don't despise the gift.
is the showing of the power of God. J'ai touché un bébé. I touched a baby. Le résultat d'une délivrance. The result of a deliverance. Acclamons pour Jésus. Let's clap for Jesus. Dis, nous proclamons. Say, we proclaim. Jésus aura ce jeûne d'action de grâce. Jesus will have this Thanksgiving fasting. Dis, c'est avec action de grâce que nous recevons les grâces de Dieu. It is with thanksgiving that we are receiving the grace of God. Et le Seigneur m'a fait comprendre une chose. And the Lord made me understood. La lecture biblique, beaucoup de lectures. Lot of reading of the Bible. Beaucoup de prières. Lot of prayers. Beaucoup de jeûnes. Lot of fastings. Ne font pas l'homme spirituel. Don't do the spiritual man. Si tu es spirituel, va demander à Jésus. If you are spiritual, go and ask Jesus. Quelqu'un peut prier 10 heures, il se lève et commet l'adultère. Someone can pray during 10 hours, he wake up and go and commit adultery. Quelqu'un peut lire deux des chapitres de la Bible, il se lève, il mange sa nourriture sans donner à son frère. Someone can read two chapters of the Bible, go and eat his food without sharing with his brother. Donc, si ton cœur voulait se tromper que tu travailles dur, que ça fait de toi l'homme spirituel, tu mens. If your heart wants to deceive you and say that you are working hard and that makes you a spiritual man, la spiritualité vient de la communion avec Dieu. Spirituality comes from the fellowship with God. Et d'un travail pour que le Saint-Esprit puisse trouver la place pour Dieu dans nos vies. C'est ce qu'on appelle le brisement et c'est l'objet de notre étude. And from a work so that the Holy Spirit should find his place in our life, which is called brokenness. Si tu es brisé, if you are broken, maintenant, now, même si tu n'as jamais lu la Bible, even if you have never read the Bible, tu es plus grand que tout le monde. You are higher than everyone. Si tu doutes, mets-toi à genoux, Dieu va te parler. If you are doubting, knees down and God will speak to you. J'ai vu des frères remplis de jalousie, de haine. I found brothers filled of jealousy and hatred. Avec des grands records. With great records. Je connais un dirigeant. I know a leader. Il disait à son secrétaire, ajoute les uns. Il dit non, ce n'est pas correct. Il dit non, c'est comme ça qu'on fait. Mais he was telling his secretary hard things, hard figures, and the other one was saying, "This is not how it should be done." He said, "No, do it." Après, il a regardé son secrétaire est devenu mon disciple. Donc, c'est pour ça que je suis au courant. He backslided, and this secretary became my disciple. This is why I am aware of it. Donc, il ne faut pas comparer. So do not compare les manifestations de la puissance du Saint-Esprit the manifestation aux routines of the power of the Holy Spirit to the routines. Tout le monde peut pratiquer les routines, même les sorciers. Everyone can practice the routine, even the pour être comme Jésus. But to be like Jesus, c'est une discipline intérieure pour accepter le traitement du Saint-Esprit. It's an eternal discipline to accept the treatment pour accepter of the Holy Spirit. Le traitement de la croix. To accept the treatment of the cross. Pour trouver quelqu'un. To find someone. Qui pardonne à son frère. Who forgives to his brother. Ce n'est pas le résultat des routines. It's not the result of. C'est la discipline intérieure. It's the internal discipline. Si c'était les routines, tout le monde pouvait être spirituel. If it were routine, everyone would be spiritual. Et notre prière pour ceux qui prient, ceux qui savent prier. Our prayer for those who pray and those who know how to pray. Prions que cette étude qui commence. Let's pray that this study which is starting. D'abord, quand en préparant, je traite déjà à mon niveau pour être béni. That on my own level, before preparing it, I should treat myself. Je dispose mon esprit. To be blessed, and I dispose my mind. C'est pour cette raison que le Seigneur m'a parlé aujourd'hui. This is why the Lord spoke to me today. Parce que je partais, comme j'enseigne toujours sur le thème, je partais sur le fait que ce n'est pas les chasser les démons, guérir les gens qui font la spiritualité, ce n'est pas ceci, c'est
Attends, le Seigneur me dit, pourquoi mépriser ma puissance? Because I was just going through, this is not the fact of casting out demon which makes il a n'a man. Pas envoyé. And the Lord asked me, why despising my power? Il ne nous a jamais dit que ça vient pour faire de nous des hommes spirituels. He has il not given us his wisdom to make us spiritual man. Pour manifester sa force. It sent it to show his power, et his strength. Sa puissance. His power. Alors, vérifions. So let's check. Quand ça descend sur quelqu'un, il guérit ou bien il ne guérit pas. If it's alors, drop on someone, does faisons him... attention. Faisons attention. So let's be careful. Notre jeune missionnaire de Mbayakro, our young missionary of Mbayakro, a prié de 18h à 23h, le mort est prayed ressuscité. From 6 to 23. C'est la puissance ou ce n'est pas la puissance? The dead rise. Même son nom même, les gens ne connaissent pas. Even his name, no one knows it. Mais Jésus a ressuscité cette dame. But Jesus resurrected this lady. C'est ce qu'on appelle la puissance de Dieu. This is what is called the power of God. Ne négligeons pas ça. Let us not despise en fait, it. Si tu commets l'erreur de négliger, brother, if you commit the error to neglect it, tu vas regretter pendant plusieurs années. You will regret it during long years. Quand on finit, when we finish, on dépose un jeûne d'action de grâce. We lay a fasting of thanksgiving for Jesus. Et vous allez voir. And you will see. Dieu est un Dieu de compassion. God is a God of compassion. Les routines. The routines. Servent à quoi? Les routines sont used là to what? Pour affermir la vocation. Ce n'est there pas. C'est dans la Bible. To strengthen your vocation. C'est-à-dire que tu es. On t'a guéri. Tu es un malade. Tu sors. Tu étais malade, on t'envoie aux soins intensifs, tu reviens, tu es guéri. On te donne les vitamines d'aller boire. Les routines sont comme les vitamines. Routines are like vitamins. You were. Si les see, microbes reviennent, les routines ne peuvent plus t'aider. Si les microbes, if si the les microbes, virus, yeah, the virus or the microbe came. Come back, les vitamines ne tuent pas les virus. Vitamins cannot kill them. Si tu enseignes ça, if you teach it, Dieu va te bénir. God will bless you. Ça veut dire que tu le connais. It means you know him. Il dépose en nous une vie. He put in us a life. Que chacun doit protéger. That everyone must protect. Que chacun doit consolider. Everyone must strengthen. Si tu trouves quelqu'un qui dit que le croyant n'a rien à faire après son salut, c'est un démon. If you find someone who says the believer has nothing else to do after his salvation, he is a demon. Parce que ça c'est une attaque directe au dessein du Seigneur dans ta vie. Because it's a direct contre une attaque directe contre les desseins du Seigneur dans ta vie. Because it is a direct attack against the goal, the purpose of God in your life. C'est-à-dire on détruit le but pour lequel Dieu te donne les enseignements. It means they are destroying the goals for which God gives you teachings. Tu viens aux enseignements pourquoi? Why are you coming to the teachings? Parce que l'ignorance est une cause de mort. Because ignorance is a cause of death. Dès que quelqu'un donne la vie à Jésus, as soon as someone gave his life to Jesus, parmi les ennemis, among the enemies, il faut écrire ignorance. You must quote ignorance. Et tu te mets à enseigner. And you start teaching. La Bible dit que quand Jésus sortait, the Bible says that when Jesus were going qu'il out, voyait la foule, and he was seeing people, il était ému de compassion pour elle. He was filled with compassion for et them. Il se mettait à enseigner. And he started et teaching. Dit, regarde, ils sont comme les brebis qui n'ont pas de berger. And il, he said, il commence à enseigner. There are like sheep without shepherd. And he started teaching. L'enseignement détruit l'ignorance. Teaching destroys ignorance. Il est bon que tu connaisses la place de chaque vertu, de chaque chose. It's good for you to know the place of each virtue or everything in your walk. Pour marcher avec Dieu. To walk with God. Il faut une relation avec lui. You must have a relationship with him.
cette relation-là this relationship est rendue possible par une communion avec lui, donc is la sainteté. Made possible la sainteté. Through a fellowship la sainteté. And holiness. C'est le lien is the link de la communion avec Dieu. Of a fellowship with God. Quand on dit que quelqu'un est mort, quand on dit que quelqu'un est mort spirituellement, when it is said that someone is deaf, is dead spiritually, il est séparé de Dieu. It means he is separated from God. Qu'est-ce qui sépare l'homme de Dieu, d'après vous? What separates human being from God? C'est le péché. Is sin. Qui pense que c'est faux? Lève la main. We believe it's not true. Donc que personne ne te séduise. So let no one deceive you. Dès que quelqu'un confesse ses péchés, as soon as someone confesses his sins, et les abandonne, and forsake them, on dit qu'il a répondu à l'appel de Dieu. We say he has replied to God's call. Tant que tu n'as pas confessé tes péchés et que tu ne les as pas abandonnés, as long as you have not confessed your sins and forsake them, même si tu dis oui Seigneur je t'aime, il sait que c'est faux. Even if you say yes Lord I love you, yes Lord I love you, he knows that it's not true. On rétablit la communion avec Dieu en enlevant le péché. You enlevant set, le péché. You reset. Ésaïe 59. You reset your fellowship, your communion with God by removing sin in Isaiah 17. Si ces vérités sont connues, if those truths are known, vous saurez donc pourquoi l'étude sur le brisement. You will understand why then the study on brokenness. Pour grandir avec to Dieu. To grow with Jesus. Lis pour nous le but. Read for us the goal. Ephésiens chapitre 4 verset 13 à 14. Verset 13 à 15. Ephesians chapter 4 verse 13 to 15. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottant et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Amen. Le but c'est quoi? What is the goal? Lis. Que nous croissions. Que nous croissions à tous égards. À tous égards. En celui qui est le chef. En celui qui est le chef. Who, Christ. In the one who is the chief, Christ. Continue. Afin que nous ne soyons plus des enfants. Afin que nous ne soyons plus des enfants, ça c'est le so but. So that we should no more remain children. Flottant et emporté à tout vent de doctrine. Flottant et emporté à tout vent de doctrine. Floating. Par la tromperie des hommes. Par la tromperie des hommes. By the deception of men. Par leur ruse. Par leur ruse. Dans les moyens de séduction. Dans les moyens de séduction. And quand tu n'as pas grandi, when you have not grown, tu restes comme un enfant que tout le monde peut tromper. You remain like a child, and everyone can deceive you. Après cette étude, avant même la fin, before the end of this study, certaines personnes vont toucher la maturité de l'esprit. Some people will touch the matureness of the spirit. Tu vas atteindre un niveau où, quand tu entres dans un milieu, they will reach a level when they enter a place. Tu peux savoir si Dieu est là ou s'il n'est pas là. You can know if God is there or not. Quand tu causes avec quelqu'un. When you chat with someone. Tu peux discerner s'il te trompe, s'il ment. You can discern if he is lying or deceiving you. L'esprit agit en toi. The spirit works in you. Si tu écoutes une doctrine, if you listen to a doctrine, deux phrases, tu peux savoir que celui-ci est un faux prophète. Two sentences, you can know that it's a false prophet. Dis amen. Say amen. Parce que ça va s'accomplir. Because that will happen. Quand tu lis la Bible, on dit Jésus connu par son esprit. Jésus a connu par l'esprit. He said that Jesus knew by his spirit. Il est là, il sait que les gens doutent. He is there, he knows that people are doubting. He knows it in his mind. Simon était en train de penser.
was thinking. Il dit que pourquoi tu penses comme ça, Simon? He said, why are you thinking like that, Simon? Hallelujah. Amen. Jésus Christ. Jesus Christ. Demande les dons spirituels. Ask spiritual gifts. Lis la Bible. Read the Bible. Je vous ai dit que mon premier jeûne était 7 jours seulement, mais aujourd'hui, je suis parmi ceux qui font les jeûnes de 40 jours complets. I told you that my first fasting was only 7 days, but today I am among people who do 40 days complete fasting. Mon premier jeûne de 3 jours. My first fasting of 3 days. J'avais mal partout. I was les genoux, les pieds, les chevilles, les poignets. I was bad in all my body. Je transpirais. My knees and feet. And I was sweeping. Un camarade du lycée m'a pris sur son vélo. Parce qu'il ne pouvait plus marcher. Je ne connaissais pas que les calcium là, il faut avoir ça. Il y avait, dans mon corps là, il n'y avait ni magnésium, ni calcium, rien. A friend took me on his bike. Trois jours de jeûne, je saigne, le sang coule. I was bleeding and missed lacking of calcium and magnesium. Après un jour, j'ai fait 21. After, ah là, j'étais très content. Later on, one day, I did 21 days. Après, j'ai pris 28. And I took 28. J'ai écrit au frère. I wrote to Brother Zach. Il dit vraiment, ça va arriver, je suis à 28. Un jour, je vais faire comme toi parce qu'il faut que je fasse comme toi. I said, I know one day that will happen. I am at the 28 days. One day I will do like you. Parce que je suis ton disciple, tu m'as envoyé en mission. Toi, tu jeûnes 40 jours. Il faut que je jeûne un jour 40 jours. Because I am your disciple and you sent me on mission, you fast during 40 days, so I must fast on first in 40 days. Je planifie, j'annule, je planifie, j'annule. I planned and cancel and planned and cancel. Nous sommes allés à Lomé. We went to Lomé. Dès que le frère a pris la parole. As soon as Brother Zach took the floor, il dit, Dieu donne la nation à ceux qui payent le prix. He said, God gives the nation to the one who pays the cost. Ça n'avait rien à voir avec le thème. It had nothing to see with the theme. Le thème était la formation des disciples. The theme was the disciple making. Dieu donne la nation à ceux qui payent le prix. God gives the nation to the one who pays the cost. Si les satanistes payent le prix, Dieu leur donne la nation. If the satanists pay the price, God gives them the nation. Je sais. I know. Que personne ne comprenait ce qu'il disait. No one were understanding parce what c'est moi seul. He was about because j'étais it was me alone. Moi seul. Je savais que c'était pour moi. I knew it was for me. Il a parlé pendant plus d'une heure sur la même phrase. He spoke during more than one hour on the same sentence. Après, il a dit prier. And later he said pray. Il y a des frères qui ont prié là, comme les frères aiment prier. Some brothers as brothers like praying. Prayed. Après j'ai dit, oh Dieu, pardonne-moi. And later I said, oh God, forgive me. Parce que j'avais peur de la souffrance. Because peur de jeûner. I was scared about suffering and I was scared of fasting. Il m'a dit, qui t'a dit de jeûner? He said, who taught il m'a you interrompu. To fast? Il dit, qui t'a dit de jeûner? Who taught you to fast? J'ai dit, c'est Dieu. I said, it's God. Il dit, mais si c'est Dieu, pourquoi tu ne te réjouis pas? Tu vois seulement la souffrance. And if it is God, why are not rejoicing? And you can only see the suffering. Il a dit prie. He said pray. J'ai prié. I prayed. Quand je suis revenu de là-bas. When I came back from there. Sachant que si je paye le prix. Knowing that if I pay the cost. Dieu me donne la nation. God will give me the nation. J'ai déposé, comme dit souvent Lomé, 40 jours complets. I laid as people in Lomé 40 days of fasting. Frères, brothers, dès que nous avons déposé les 40, as soon as we laid the 40 days, l'atmosphère spirituelle a changé. The spiritual atmosphere changed. Jusqu'à ce jour. Till today. J'ai dit ça pour que quelqu'un n'aille pas dormi là et ronflé, dit que le pasteur a dit qu'il a fait 7 jours seulement. Je suis déjà loin. Parce que je travaille, j'essaie déjà de travailler. So quand j'ai no faim, one, je ne mange pas. Mon âme a déjà beaucoup appris. So that no one go and sleep and say, the pastor did only 7 days. Because right now, I'm very far. Mais ce que nous vous enseignons, c'est que ce n'est pas ça
qui fait la spiritualité. What we are teaching is that this is not what makes someone spiritual. Comme des vitamines. There are like vitamins. Il faut enlever le péché. You must remove sin. Pour que la vie de Dieu s'épanouisse en toi. So that God's life come grows la, in la, you. La vie que Dieu a déposée. Life that God has put in you. Doit couler. Must flow. C'est ça qu'on marche. Quand on dit on marche avec Dieu là, c'est ça qu'il faut rechercher. When we say someone is walk with God, is what we mean. Frère, j'ai connu beaucoup d'états dans la marche avec Dieu. Brother, I have gone through many states in the life in my walk with God. Quand j'ai cru, when I believed, j'ai rapidement lu le Nouveau Testament. I quickly read the New Covenant. J'aimais les paroles de quand je lis en vérité, je vous le dis. Quand je lis ça, ça entre. I like the word. When I say I read in truth, it enters in me. Après. After. Les en vérité, je vous le dis, sont finis. After all of that was finished. Quand j'ouvre la Bible. When I opened the Bible. J'avais une Bible, les paroles de Jésus étaient en rouge. I have a Bible in which the words of Jesus was in red. Je cherchais les autres paroles en rouge, il n'y avait plus, j'ai laissé. So I was looking over his word in red and I could not find, so I stopped. Le frère Zach est venu. Brother Zach toujours came. Lui. Always him. Et là, c'était au début de ma conversion. And it was at the start il of a my prêché, il a conversion. Parlé de comment aimer la parole de Dieu. He preached and spoke about how to read the word of God. Je me suis levé. I woke up. J'ai dit vraiment, and said, je me repens, je n'aime pas la parole de Dieu. Really, I repent because I don't like the word of God. J'ai cru en 81, là nous sommes en 82. I believe in 1981 and I were in 1982. Dès que j'ai dit que je n'aime pas la parole de Dieu. As soon as I said that I don't like the word of God. L'homme qui était gentil là, il souriait, the il man s'est who was mis en colère. Kind, smiling, il dit, regardez-moi quelqu'un. Start saying, look at this one. Si une jeune fille le voit, elle aimerait l'épouser. Et regardez, il ne lit pas la Bible. If a young girl saw him, see him and want to marry him, c'est-à-dire que quand si il est tel que une jeune fille, toute jeune fille aimerait l'épouser. He is like every kind of a young girl would like to marry il him. Il ne lit pas la Bible. Il s'est fâché. He was angry. Il dit, prends l'engagement que si tu ne manges, tu ne lis pas la Bible, tu ne manges pas. He said, take the commitment that if you don't read the Bible, you don't eat. J'ai pris l'engagement. I took the commitment. Alléluia. Amen. Quand j'ai pris l'engagement, frère. When I took this commitment, je me suis rappelé de mon engagement quand on m'appelait. Le lendemain, viens manger. I remember my commitment when I was called the coming day, come and eat. J'ai couru dans la chambre. I ran into the je room. Je me suis mis à genoux, j'ai ouvert la Bible. I kneel down and opened my Bible. Pour lire quelques versets avant de sortir. I read some verses before going out. Deuxième jour. Second day. Quand on m'a appelé, je me suis rappelé que je n'ai pas encore lu la Bible. J'ai couru, je me suis mis à genoux, j'ai ouvert la Bible. I remember I have not read the Bible, so I went and knelt down and opened my Bible. Frère, après ça, brothers, j'ai senti ce qu'on appelle l'illumination. I felt what is called enlightenment. C'est-à-dire que nous pouvons lire le même verset. We can read the same verse. Quand je veux l'expliquer, quand je vais expliquer ce verset-là, when I will explain this verse, tu as l'impression que je suis un vieux dans la foi. You have the impression that I am an old man in faith. Je me souviens, nous n'étions pas encore fiancés. Je suis allé avec la sœur Colette à un ministère. Quand j'avais des calculs sur elle, je lui ai dit, accompagne-moi quelque part là. It was when? Jésus-Christ. Jésus-Christ. Jesus Christ. Donc, on a rendu ministère. Quand on rentrait, il dit que vous faites même comment
pour comprendre. Vous faites comment? So we went and rendered a minister, and she said, when we were going home, she said, how do you manage? C'est-à-dire que vous faites comment pour comprendre la Bible? Vous faites how comment? Do you do to understand the Bible? Jusqu'à ce jour. Till today. Quand je lis la Bible, si je dois prêcher, je sens que le verset me prêche. When I read the Bible, if I have to preach on it, I just feel that the verse is preaching to me. Je peux savoir ce que le verset va faire aux gens. I can feel and know what the verse will do to people. Parce que ça commence sur moi-même. Because it starts on myself. Donc, c'est pour vous dire que quoi? So, it's to tell you. Il y a une vie. That there's a life. Il y a des armes pour consolider cette vie-là. And there are weapons to strengthen this life. Quand tu n'as pas cette vie-là, if you don't have this life, tu prends les armes pour consolider, c'est zéro. Il n'y aura pas de consolidation, il n'y a rien. You take the weapons to strengthen it, it's nothing, there is nothing. Mais quand tu as cette vie, but when there is this life, et tu lis la Bible, and you read the Bible, et tu médites, and you meditate, et tu pries, and you pray, tu sens, you feel que tu grandis, that you are growing, tu sens que tu grandis, you feel you are growing. Si tu as la faveur de Dieu, if you have a favor of God, que les dons se manifestent encore, and that gifts are added, tu reçois le secours des deux côtés. You receive rescue from both sides. Et ton assurance grandit. And your assurance grows. C'est pour cette raison. This is why. Révisez votre manière d'exhorter. Revise your way of exhorting. N'attaquez pas la puissance de Dieu. Do not attack the power of God. Et n'exaltez pas les vitamines. And do not exalt vitamins. Exaltez l'auteur de la vie. Exalt the author of life. Exaltez l'auteur de la puissance. Exalt the author of power. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut donner la vie à Jésus? Is there someone who wants to give his life to Jesus? Lève la main. Put up your hand. Où est cette personne? Where is this one? Quelle est? Venez rapidement, on va vous recevoir. Come quickly. Pendant ce temps, on se tient debout. Meanwhile, we stand up, please. Si tu as le livre du frère Zach, if you have a book of Brother Zach, va lire. Go and read it. Même si tu l'as déjà lu. Even if you have already read it. Vous voyez, je l'ai déjà lu, mais dès que j'ai posé l'introduction, Dieu a commencé à m'enseigner. You see, I have already read it. But I am just laying the condition which are ceux qui veulent teaching donner leur vie à Jésus, venez ici. Those who want to give a life to Jesus, venez please rapidement. Come here. Come quickly. Nous autres, prions. Let's pray. Prions ensemble. Let's pray together. Seigneur. Oh Dieu. Oh Lord. Que ta vie, let your life, déborde dans chacun, overflow in each of us. Donne-nous la sagesse, give wisdom, pour être reconnaissant, to be grateful, pour ta puissance, for your power, qui se manifeste, which is showing dans la vie des frères, in the life of brothers, pour les guérir, to bless pour us, les délivrer. To deliver them. Même les enfants, even kids, voient ta gloire. See your glory. Les adultes voient ta gloire. Adults, see your glory. Les anciens voient ta gloire. Elders, see your glory. Oh Seigneur, sois béni. Oh Lord, be blessed. Sois béni. Be blessed. Sois béni. Be blessed. Dis Seigneur. Say Lord. Donne-nous la volonté. Give us the will. De travailler pour le brisement. To work for brokenness. Dis, oh Père, say, oh Father, n'épargne personne. Spare no one. Accomplis ton dessein. Complete your purposes. Nous voulons être mûrs.
We want to become mature. Nous voulons être parfaits. We want to become perfect. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Amen. Amen.